C'est l'île là où on a eu des paix, ses amis. Laissez la manipulation. Quand vous étiez ministre, vous avez engagé combien de combattants? Même de manière, il y a les à côté. Vous aidez le combattant. Vous êtes insociable. Laissez-nous ces histoires. On vous attend maintenant. On vous attend. On vous attend. On verra notre capacité de mobilisation. Nous vous avons regardé pendant 5 ans régner avec vos lieutenants là, qui régnaient ici avec des ranges. Les femmes travaillaient chez Peter Kazadi. Hein? Aujourd'hui, vous venez nous dire que le parti est désorganisé. Tout doit revenir à zéro. Osez. Osez. Les ambitions de beaucoup de cadres. On vous voyait dans des matinées politiques. On vous a vu dans les congrès. On vous voyait dans les matinées politiques. Vous venez dans les matinées politiques à poste à poste. Le col de Zul poste était au commun au Bakongo, au Bakabou, au Tombokeli. Vous avez un doc. Vous avez un doc. Très chers combattants, la commission des ambitions est recevoir qui plus de 10 000 dossiers. Au bazo traité. Tous les combattants ba koza na ba cabinet. Biso le to vandali pendant 5 ans on a lit tout au sala. Ba tu vas faire sonni ni zala calme non? Même le lot au sala. 10 000 combattants avec 7 ministères. On ne peut pas mettre dans chaque ministère même 100 combattants. Les gens vont dire regardez ce que l'UDPS veut faire. UDPS viva, UDPS, le parti du peuple, c'est votre baba de la jeunesse, fils Moukoko. Na yele loko s'adresse, na opinion nan nous, yaba combattant, et opinion nationale. On doit être sérieux. On doit être sérieux, on ne doit pas chercher à osalo babé, ba cruse inutile. Quand vous n'êtes pas aligné dans le gouvernement, beaucoup de opposants internes, dans le cadre de parti, c'est vraiment étonnant. Ça, c'est de la médiocrité politique. Quand vous n'êtes pas aligné dans le gouvernement, beaucoup opposants, vous commencez à manigancer le plan. Il y a cette impression qu'il est parti en crise. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi, n'est pas en crise. Pourquoi ça a crise? Parce que nous avons remporté les élections sur tous les plans. Mais c'était ni Longondo. Vous étiez dans le congrès Nabiso, dernier congrès au Tosalaki, dans le lac de Mavalé. Congrès chapeauté, coordonné par M. Augustin Kabuya comme secrétaire général, reconduit dans le congrès. Aujourd'hui, vous venez de réunir quelques micros de journalistes et caméras pour dire que le parti est mal, est désorganisé. On a vu les gens qui sont à vos côtés. Les lobes à masque, les masques viennent de tomber. On vous connaît tous les gens qui veulent créer du désordre pour vos intérêts personnels, pas les intérêts de la base de l'UDPS. Nous avons peiné pendant 5 ans à cause de Yobabengi, dictat Yakaboun. Vous avez régné. Étienne Longondo, vous étiez ministre de la Santé ici. Quel est votre bilan? C'est pas vous qu'on a accusé que Mbongo a COVID de Bungagi. Comme on a été
zong se teni yambongo ata ndambu ya COVID oyozwaki. Zongi sata ndambu. Bando tubo zawana. On ne change pas les choses dans l'UDPS devant quelques journalistes et quelques caméras. À monsieur le ministre, le VPM de l'intérêt, Jekmen Chabani, maître Jekmen Chabani, mon ancien secrétaire général. À cette époque, vous avez fait votre temps. Aujourd'hui, c'est le temps d'Augustin Kabuya. Chacun a son temps. Je suis en train de m'adresser à vous avec tout le respect. Si Eteni Longondo, avec sa bande, va tenir meeting à Saint-Thérèse, ça démontra que Yopoza n'a même clic. Ça démontra, on ne va pas laisser quelqu'un qui a voulu suer l'image, il y a un parti intègre, il y a un parti de non-voleurs. Nambongo a COVID. Eteni Longondo, comme on Eteni, Zongisate Eteni Nambongo. Tout ce que vous êtes en train de dire, le parti est mal organisé parce que Baklaso Tembalo. Et vous êtes en train de venir donner des leçons à nous qui étions devant les balles réelles. Vous venez des États-Unis là-bas. Vous avez fait le combat aussi. Et tel que vous avez fait le combat où c'est, montrez-moi même votre image dans la rue, devant les balles et les gaz. Montrez-nous. Vous êtes des parvenus. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Kabuya que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Était parlementaire debout, au parlement debout, de président de ville, dans ACP. Kabuya était dans sous l'arbre. C'est l'île là où on a eu des paix, ces amis. Laissez la manipulation. Quand vous étiez ministre, vous avez engagé combien de combattants? Même de manière, il y a les à côté. Vous aidez les combattants. Vous êtes insociable. Laissez-nous ces histoires. On vous attend maintenant. On vous attend. On vous attend. On verra notre capacité de mobilisation. Nous vous avons regardé pendant 5 ans régner avec vos lieutenants là, qui régnaient ici avec des ranges. Leurs femmes travaillaient chez Peter Kazadi. Hein? Aujourd'hui, vous venez nous dire que le parti est désorganisé. Tout doit revenir à zéro. Osez. Osez. Donc, ça doit être seulement vous. Bah, combattant, il fait Zaka Bété, Ninde, Bazaba, ministre. Si on ne t'a pas nommé par ordonnance présidentielle, Kabuya n'est pas le président de la République. Parce que le président vit que tu voulais salir le régime Tshisekedi, Nambongo à COVID. On doit se le dire maintenant. Hein? Eteni Longondo. Si on enquête vraiment par constat, Mutambambongo à COVID, yo ko échappé. Si on enquête vraiment bon à COVID dans la pays, j'ai fait l'ingéte, yo ko échappé. Ne cherchez pas. Kabuya fait des miracles. Vous créez des désordres chez vous là-bas, Bouende là-bas, à l'Équateur. Vous créez des désordres là-bas. Vous avez vraiment le charisme de nous diriger dans l'IDPS ici. Avec quel CV politique? Vous avez vraiment le charisme éteint. Appelez les journalistes, vous allez vous fatiguer. On a mis une commission des ambitions de beaucoup de cadres. On vous voyait dans des matinées politiques. On vous a vu dans les congrès. On vous voyait dans les matinées politiques. Vous venez dans les matinées politiques à poste à poste. Le col aux huit postes était au commun au Congo au Bakabu Boutombokel. Vous avez un doc. Vous avez un bandoki. Très chers combattants, la commission des ambitions est recevoir qui plus de 10 000 dossiers. Au bazo traité. Tous
les combattants ba koza na ba cabinet te. Biso le to vandali pendant 5 ans on a lito to sala. Ba tu ba chef soni ni zala calme non. Même le lot toujours sala. 10 000 combattants avec 7 ministères. On ne peut pas mettre dans chaque ministère même 100 combattants. Les gens vont dire, regardez ce que l'UDPS veut faire. Vous voulez donner l'impression aux combattants que Misa les a dans le cabinet. Nous sommes au pouvoir, nous pouvons aussi créer du boulot. Arrêtez avec vos intoxications là. Vous n'êtes pas combattants. Montrez-nous même Kacho Moyo, Kota Yoeteni. Les autres qui étaient là, n'a pas non. Ils savent pourquoi ba kota ba kacho. Ils savent pourquoi ba kota ba kacho. Très chers combattants, soyons vigilants. Soyons vigilants. Dans un pouvoir, un parti présidentiel, ça demande de la discipline. Dans un parti présidentiel, les gens se succèdent. Kabuya ne résistera pas éternel, mais il ne quittera pas par un coup de force. Ça, c'est un premier droit de réponse. Mais dès demain, vous verrez comment je vais vous déballer, démontrer ce que vous avez fait dans le ministère de la Santé. J'ai tous les données. Demain, entouré des gens qui ont fait la campagne électorale avec le sang de la population. Les gens qui sont à vos côtés là, ils ont fait tuer les gens. Ils ont fait tuer les gens pendant la campagne. On a tous les dossiers là. Demain, je vais appeler la presse pour vous déballer. Je vais éventrer les bois. Les parvenus, les combattants, sans CV politique. Osez, vous nous verrez dans votre chemin.